Mais à présent, jetons un regard sur la Libye et sa situation sous le régime de Kadhafi. Ce même homme, le colonel Muammar al-Kadhafi, celui que l'OTAN et les États-Unis ont stigmatisé comme dictateur brutal, ce qui leur a servi de justification pour leurs attaques aériennes et son assassinat, cet homme devrait être vénéré par les Nations Unies pour ses mérites en ce qui concerne les droits de l'homme en Libye. Les faits suivants sont seulement un extrait d'une longue liste. Premièrement, en Libye, il n'existait pas d'intérêt sur les crédits. Deuxièmement, l'électricité était gratuite. Troisièmement, tous les nouveaux mariés recevaient de l'État libyen l'équivalent de 45 000 euros pour financer leur propre appartement et fonder une famille. Quatrièmement, la formation médicale et les traitements médicaux étaient gratuits. Avant Kadhafi, seulement 25% de la population libyenne savait lire. Aujourd'hui, 83%. Cinquièmement, une partie de toutes les ventes de pétrole libyen était créditée directement sur les comptes des citoyens de Libye. Sixièmement, Kadhafi a lancé le plus grand projet mondial de pipeline d'eau potable pour un meilleur approvisionnement en eau de la population et de l'agriculture. Tout cela et beaucoup d'autres choses sont du passé maintenant, depuis que l'OTAN nous a libérés de ce monstre. Mais qu'est-ce que la Libye a donc fait pour que tout cela soit enlevé à ce pays ? Jusqu'à l'élimination de Kadhafi, ce pays avait un étalon or. Il possède du pétrole et du gaz en quantité, et il y a une richesse d'eau douce gigantesque. Au sud de la Libye, il y a quatre grands réservoirs d'eau dans lesquels se conservent 35 000 km3 d'eau. Si on met un prix de vente de seulement 2 euros par mètre cube, alors la valeur de ces réservoirs d'eau d'excellente qualité se chiffre à 58 000 milliards d'euros. Le 1er septembre 2010, la première grande section du projet Great Man Made River, une rivière artificielle transsaharienne, a pu être mise en service après sa planification et sa construction qui ont duré 30 ans. C'était 5 mois avant les émeutes en Libye, donc avant que le projet, qui avait été qualifié de 8e merveille du monde, puisse porter des fruits au vrai sens du terme. Lors de la fête d'inauguration, Kadhafi avait dit: ce projet est notre réponse aux reproches de l'Amérique qui nous accuse de cultiver le terrorisme. Kadhafi s'occupait en outre d'avoir une bonne politique sociale et un très bon système d'éducation et de santé. Et tout a été détruit par les apporteurs de démocratie, par génocide. Au lieu de la 8e merveille du monde, avec des jardins florissants, ce pays ne peut plus se distinguer que par ses migrants. Dans notre émission « Anéantissement de la Libye » du 11 novembre 2015, nous avons déjà parlé de la mort de l'ancien président de la Libye, Muammar Kadhafi, et des circonstances qui ont mené à cela. Nous conseillons aussi notre film documentaire « Guerre par instrumentalisation ». Celui-ci montre en détail que l'élimination ciblée de Kadhafi et la destruction de la Libye n'étaient rien d'autre qu'un coup stratégique adroit dans le très vaste plan de quelques stratèges globalistes. Ces joueurs mondiaux ont réussi une fois de plus, dans le cas de la Libye, à faire avancer leur but, toujours le même, l'affaiblissement total et la déstabilisation de l'Europe et de toute la partie du monde pas encore américanisée. À l'aide de flux de réfugiés incontrôlables, l'Europe doit être déstabilisée et sombrer dans le bourbier de problèmes sociaux, économiques, politiques, mais aussi religieux, toujours croissants. Le but stratégique derrière cela, c'est l'épuisement total des nations et comme conséquence, leur rangement volontaire dans le nouvel ordre mondial des tireurs de ficelles globalistes. Et c'est précisément ce à quoi les nations d'Europe n'auraient jamais été prêtes sans le chaos soigneusement orchestré. Aujourd'hui pourtant, nous aimerions donner la parole à Muammar Kadhafi lui-même, qui semble avoir percé à jour ce jeu de quelques stratèges globalistes. Kadhafi a démasqué ce que les États-Unis entendent par démocratie et liberté comme étant un système coupe-gorge dans lequel le plus grand chien mange tous les autres. D'autre part, Kadhafi a fait tout ce qu'il pouvait pour comprendre le concept d'une vraie démocratie et pour la pratiquer en Libye. Mais voyez par vous-même, dans un premier extrait, les sombres prophéties concernent les flux de réfugiés vers l'Europe que l'ancien dirigeant de la Libye a écrite quelques mois avant sa mort dans une lettre ouverte.
Ces prophéties ont été publiées par le quotidien russe Savtra en mai 2011. Ensuite, vous entendrez la version intégrale de ce qu'on appelle le testament politique de Muammar Kadhafi, qu'il a rédigé le 5 avril 2011. Les deux écrits sont parus après le début des attaques aériennes de l'OTAN le 19 mars et la destruction de la Libye par un bombardement systématique. Arrêtez, peuple de l'OTAN. Vous bombardez un mur qui barre le chemin à la migration africaine vers l'Europe et le chemin des terroristes d'Al-Qaïda. Ce mur, c'était la Libye. Imbéciles que vous êtes, vous le détruisez et vous brûlerez en enfer pour les milliers de migrants d'Afrique et pour avoir soutenu Al-Qaïda. C'est ainsi que ce sera, et je ne mens jamais. Et je ne mens pas maintenant non plus. Mémoire de ma vie. Colonel Muammar Kadhafi, chef de la révolution, 5 avril 2011. Au nom d'Allah, du bienfaisant, du miséricordieux. Pendant 40 ans, ou était-ce plus, je ne me souviens plus. J'ai tout fait pour donner aux gens des habitations, des hôpitaux, des écoles, et lorsqu'ils avaient faim, de la nourriture. Au Benghazi, j'ai même fait du désert une terre agricole. Je me suis imposé contre les attaques de ce cow-boy de Reagan, lorsqu'il a tué ma fille adoptive orpheline. Il avait essayé de me tuer. Au lieu de cela, il a tué cette pauvre enfant innocente. Ensuite, j'ai aidé mes frères et sœurs en Afrique avec de l'argent pour l'Union africaine. J'ai fait tout ce que je pouvais pour aider les gens à comprendre le concept d'une vraie démocratie, dans laquelle des commissions du peuple dirigent notre pays. Mais comme on me l'a fait comprendre, tout cela n'était pas assez. Même des personnes qui avaient des maisons avec 10 chambres, des costumes neufs et des meubles neufs n'étaient jamais satisfaites. Égoïstes qu'ils étaient, ils voulaient toujours plus. Ils racontaient aux Américains et à d'autres visiteurs qu'ils avaient besoin de démocratie et de liberté, sans reconnaître qu'il s'agit là d'un système coupeur de tête, dans lequel le gros chien mange tous les autres. Mais ils étaient comme ensorcelés par ces paroles, sans voir qu'il n'y a pas de médecine gratuite en Amérique, pas d'hôpitaux gratuits, pas de maisons gratuites, pas d'éducation gratuite et pas de nourriture gratuite. Sans parler des gens qui mendient ou des longues queues pour une assiette de soupe. Non, quoi que j'ai fait, pour certains ce n'était jamais assez. Mais d'autres, eux, savaient que je suis le fils de Gamal Abdel Nasser, le seul vrai dirigeant arabe et musulman que nous ayons eu depuis Saladin. Lorsque j'ai revendiqué la Libye pour mon peuple, comme il a revendiqué le canal de Suez pour son peuple, c'était ces traces que je tentais de suivre pour protéger mon peuple de la domination coloniale, de voleurs qui nous voleraient. Je suis désormais soumis à l'attaque de la plus grande puissance de l'histoire militaire. Mon petit-fils africain Obama voudrait me tuer, pour enlever la liberté à notre pays, pour nous enlever nos habitations gratuites, notre médecine gratuite, notre éducation gratuite, notre nourriture gratuite, pour la remplacer par le vol selon le style américain, appelé capitalisme. Mais nous tous, dans le tiers-monde, nous savons ce que cela veut dire. Cela veut dire que les grands trusts dirigent le pays, dirigent le monde, et que les gens souffrent. C'est pourquoi il n'y a pas d'alternative pour moi. Je dois prendre ma place. Et si Allah le souhaite, je mourrai en suivant son chemin, le chemin qui a rendu notre pays riche en terres agricoles, ainsi qu'en nourriture et en bonne santé, et nous permet même d'aider nos frères africains et arabes, quand ils travaillent ici avec nous, dans la République du peuple libyen. Il n'est pas de mon désir de mourir, mais si cela devait arriver, pour sauver ce pays, mon peuple, tous ces milliers qui sont mes enfants, alors qu'il en soit ainsi.
Que ce testament soit ma voix adressée au monde, que je me suis levé contre les attaques des croisades de l'OTAN. Levé contre la brutalité, levé contre la trahison, levé contre l'Occident avec ses ambitions colonialistes. Et que je me suis tenu du côté de mes frères africains, du côté de mes frères arabes et musulmans, comme une colonne de lumière. Pendant que d'autres construisaient des palais, je vivais dans une maison toute simple et dans une tente. Jamais je n'ai oublié ma jeunesse à Sirte, je n'ai pas gaspillé de manière insensée la richesse de notre peuple. Et comme Saladin, notre dirigeant musulman qui a sauvé Jérusalem pour l'islam, j'ai pris peu pour moi-même. En Occident, certains m'ont traité de fou ou d'insensé, mais ils connaissent la vérité et continuent néanmoins à mentir. Ils savent que notre pays est libre et indépendant, et non sous le joug des colonialistes. Que ma vision, mon chemin est compréhensible et l'a toujours été, et qu'elle est dans l'intérêt de mon peuple, et que je vais me battre jusqu'au dernier souffle pour nous garder libres. Puisse Allah le Tout-Puissant nous aider à rester croyants et libres. Colonel Muammar Kadhafi, 5 avril 2011. À ce moment-là, le 21 février, 6 jours plus tard donc, nous apprenons qu'une manifestation de pacifique qui se déroule à Tripoli, manifestation de solidarité avec les manifestants de Benghazi, est attaquée par les forces libyennes, mais pas attaquée de n'importe quelle façon, attaquée par des avions de chasse. Et ce sont donc la chasse militaire aérienne de Kadhafi qui est supposée avoir mitraillé dans des attaques en piqué ces manifestants. Et là, fait piquant qui n'a été relevé par personne, tout le monde, quand on évoque cet événement, on l'évoque bien souvent en rappelant les images que chacun est censé avoir vues sur cet événement, puisque comme chacun sait, avec les smartphones aujourd'hui, on filme tout et en permanence et partout. Rappelons-nous le tsunami, c'était le premier événement à avoir, première catastrophe naturelle à avoir été filmée directement par ces témoins. Eh bien, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça n'a jamais été filmé, personne n'a jamais vu de telles images, pour la simple raison que cet événement n'a pas eu lieu. Il y a bien eu une petite manifestation ce jour-là à Tripoli, très réduite au demeurant, les avions de Kadhafi ne sont pas intervenus. D'abord, les avions de Kadhafi, ils étaient en bien piteux état, et puis de toute façon, il était hors de question de faire envoyer la chasse sur des manifestants. Il y a quand même... According to some, it's about protecting civilians. And our resolve is clear. The people of Libya must be protected. But some are convinced intervention in Libya is all about currency, specifically Gaddafi's plan to introduce the gold dinar, a single African currency made from gold, a true sharing of the wealth. It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to the something else, you're going to be targeted. There were two conferences on this. One in 96 and another one in the year 2000, called the World Mataba Conference, organized by Gaddafi. And everybody was interested. I think most countries in Africa were keen. Gaddafi didn't give up. In the months leading up to the military intervention, he called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. It's an idea that would shift the economic balance of the world. Countries' wealth would depend on how much gold they have, not how many dollars they trade. And Libya has 144 tons of gold.
The UK has double that, but 10 times the population. If Gaddafi had an intent to try to reprice his oil or whatever else the country was selling in the global markets and accept something else as a currency, or maybe launch a gold in our currency, any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. So yes, that would certainly be something that would cause his immediate dismissal and the need for other reasons to be brought forth for removing him from power. It's happened before. In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Sanctions and an invasion followed. Some say because the Americans were desperate to prevent OPEC from transferring oil trading in all its member countries to the euro. A gold dinar would have had serious consequences for the world financial system, but may also have empowered the people of Africa, something black activists say the US wants to avoid at all costs.